Pas du tout. J'ai cru qu'on était bon. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir aller manger chez maman. Pas du tout. Il y avait vraiment de tout. Oh. Faut que je fasse quoi? Il va arriver là, le monsieur. C'est qu'il ira. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour Hot Lava. Mais avant tout, avant qu'on commence cette vidéo, voilà, la Japan Expo m'a clairement donné des idées capillairement parlant. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ce n'est pas mes vrais cheveux, ne paniquez pas. Kiki a toujours ses cheveux noirs. Mais du coup voilà, c'est l'été, je me suis dit allez vas-y, autant profiter un petit peu, ça peut être amusant. Donc la Japan Expo ça m'a donné grave des idées, donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Autre chose, ça y est, vous voyez dans le décor maintenant. J'ai reçu tout à l'heure dans la boîte aux lettres mon copain, mon petit copain, mon enceinte Halo. Elle est juste canon, c'est un monstre sur pattes. Là, vous voyez qu'elle s'allume en fait dans le coin et je vais vous montrer ce qu'elle fait en fait. Que, quand je l'appareille, en fait, elle fait un truc trop stylé. Elle est en train de s'appareiller là. C'est juste ouf. Elle a un son incroyable cette enceinte. Voilà, là, elle vient de s'appareiller, en fait, c'est pour ça qu'elle sonne. Elle est juste incroyable. Là, je vais la déconnecter. Voilà, vous avez entendu le bruit. Elle est incroyable, cette enceinte. Et c'est un monstre sur pattes. Et je suis trop contente de l'avoir reçue. Je vous remercie aussi à ceux qui étaient à la Japan Expo. C'était trop cool de voir vos petites bouilles à la Japan. Ça m'a fait trop plaisir. Je sais qu'il y en a masse que j'ai raté, que j'ai pas pu voir malheureusement. Parce que tout simplement, je bougeais beaucoup dans le salon. C'est énorme. Et pour se croiser dans la Japan Expo, franchement, good luck mon petit Michel. Un autre achat que j'ai fait à la Japan Expo. Et puis après, on commence tout de suite. J'ai craqué pour l'épée du roi Lich. Épée juste magnifique. Vous savez à quel point je suis fan de World of War. Warcraft et surtout de l'extension Lich King, et celle avec le roi Lich est juste colossale. Elle était à la Japan Expo et je m'étais dit ça sera mon cadeau de Noël, et finalement quand je l'ai vue j'ai pas pu m'empêcher de craquer, je vous la montre tout de suite. Bon, alors je crois que vous m'entendez, mais il s'agit clairement d'un monstre. Elle est en taille réelle et elle est monstrueuse, elle est magnifique. Je peux pas, attendez, je vais essayer de vous la montrer jusqu'à sa hauteur. Bon, là pour le moment elle a la protection au bout, je laissais la protection, faut que je la nettoie un petit coup quand même parce qu'elle a quelques traces de doigts dessus vu qu'elle a été posée. Mais regardez-moi cette magnifique, cette beauté, est-ce qu'elle est pas sublime? Regardez-moi ce monstre. L'épée du roi Lich, elle pèse son poids. Et je ne sais pas comment le roi Lich fait dans la cinématique pour la porter à une main. Tellement elle est colossale cette épée. Mais en fait malheureusement vous voyez pas l'épée quoi, je suis dégoûtée. L'épée en fait se trouve ici en fait, elle est à gauche. Vous voyez peut-être un tout petit peu l'ombre en fait, mais elle est à gauche en fait sur la poutre, elle est posée, elle est magnifique. Il faut que je trouve un système de LED à lui mettre pour que ça fasse comme s'il y avait du givre en fait qui circulait, qui sortait de cette épée. Du coup on va commencer tout de suite sur Hot Lava. Hot Lava je n'y ai jamais joué. Alors quel est le concept du jeu? À ce que j'ai cru comprendre il va y avoir de la lave au sol en fait, il va falloir faire comme du parcours et ne surtout pas se cramer. Mais au sol, surtout pas se cramer, ce qui va être le plus important finalement, j'ai envie de vous dire. Donc on va comment... Wow, c'est trop stylé. Ah oui. Ah oui, 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 mon petit Michel. Donc là, on est en bêta pour le moment. Moi, je l'ai payé sur Steam. Je sais qu'elle était à 8 euros et quelques, la clé. Mais attention, vous avez deux hot lava pour 8 euros. Donc vous pouvez enfiler un à votre pote. Waouh. Bon, allez, hop, on va essayer. Ok. Donc là, ça va, je pense qu'il faut pas passer par là. S'il faut passer clairement par là. Alors. Hop. Non! J'ai cramé! Non! Ah, ça sent le jeu. Oh là là. Ça sent le jeu que tu tryhardes, tu vois. Et comment je passe là, mon petit Michel? Tu m'expliques. Comment je passe là, Michel? Il a l'air de pouvoir s'accrocher. Pas du tout. Merde, je cramais direct. Je ne prends même plus le temps. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a l'air de pouvoir s'accrocher. Écoute, on va essayer de passer par là. Ok. Ah là, c'était ici. Nice. Ok, j'ai cramé comme une merde. J'ai cramé comme une merde. C'était pas du tout par là. C'était par là, mais pas de cette façon-là. En fait, il faut que j'arrive à bien prendre... En fait, quand tu sautes, il fait un petit bond en avant, le personnage. Ça, faut le prendre en compte. Ouais, il fait un petit bond en avant, le personnage. C'est hyper important à prendre en compte. Donc, on va y aller tout doucement. Là, je pense qu'on va faire que des sauts, sauts, sauts. J'ai envie de tenter de plus de passer par là. C'est peut-être fou. Mais j'ai envie de tenter. Je préfère. Chacun son truc, mon petit Michel. Je préfère passer par là. Ok, nice. Après, faut remonter.
Mais dis donc, moi j'ai une question chez vous, c'est comme ça? C'est dans le même état? Parce que, putain, là c'est colossal, hein, Michel, hein. Alors. Ok, nice. Ah, on a l'air d'avoir réussi. Pas du tout. J'ai cru qu'on était bon, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir aller manger chez maman. Pas du tout. Non! Je suis où là? Attendez, où est-ce que je suis là? Je bug. Ah, mais en fait, ça m'a carrément save. En fait, j'étais en face au niveau de la porte. En fait, ça m'a save. Ok. On va parler un petit peu de la Japan pendant que je fais ça. Du coup, mon dieu, que c'était beau. Que c'était cool. Il y avait des cosplays magnifiques. Des cosplayeuses sublimes. Des cosplayers sublimes. Il y avait vraiment de tout. Faut que je fasse quoi? Il va arriver là, le monsieur. Il est là. On va pas faire un jeu d'horreur, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est qui ce gars? Qui est ce mec? Qui tu gères? Donc ouais, c'était magnifique, c'était ma première expérience à la Japan. J'ai pu vous voir, pas tout le monde malheureusement. C'est comme j'ai dit, j'avais pas de stand d'attribut au cours, hein. J'ai payé ma place comme tout le monde. Mais c'était cool quand même de voir vos petites bouilles. Et bah du coup, prochain rendez-vous pour nous tous, ça sera la PGW, mes amis. Paris Games Week. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui vont y aller. Qui y va, qui y va pas. Ok. Comment on se fait? J'aimerais bien savoir comment on se fait. J'ai envie de tenter de m'agripper. Ouah! Non! Mais non! J'ai réussi ou pas? C'est quoi ces conneries? Il m'a eu? Play. Welcome to Hot Lava. The tutorial is recommended for all new players. Ok. Bah, on va le passer. What the fuck? Gym class, school. J'ai bien envie de faire school. Non, on va commencer un par un. Ok, on va faire le premier. De toute façon, je pense que si j'ai pas fait le premier, je peux pas faire les autres, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être trop stylé. Je comprends pourquoi il y a des clés à plusieurs. Ça va, pour le moment, il n'y a rien. A été tué par la lave. A été tué par la lave. Pour moi, il n'y a rien du tout. Ok, là-bas. Je pense que le level, il est là-bas. Ok, Jim Jam, c'est parti. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Allez. Allez, ma Kiki. Tu peux le faire. Allez, Kiki. Wouh! Ok, nice. Non, j'ai cramé! Non, je recrame! Ok, on va essayer de... Non! On va essayer de pas se faire chier cette fois-ci. Ok, nice. Wouah, jump to grab. Ok. Wouah! Non! Wouah, ok, on sent les gens hyper entraînés de ouf. Ok. D'accord, ok, ça va. Faut prendre le truc en main, quoi. Hop. Wouah, je pense que c'est un jeu où on peut s'éclater, franchement. À plusieurs, je pense qu'il y a trop moyen de s'éclater, mec. Wouh. Wouah. Oh, le mec, il a cramé. Yes. Nice! Comment tu fais là? Ah, j'ai pas du tout lu. C'est pas bien, Kiki. C'est pas bien de pas lire les trucs. Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Non! Ok.
Attendez, j'essaie de comprendre un peu le truc. Si je pense que c'est ça, et après tu t'agrippes en fait. Je pense qu'il faut t'accrocher de côté. Enfin, je pense, hein, je suis pas du tout sûre. C'est stylé. Oh, dites-moi qui a le jeu, s'il vous plaît. Ok, ça va, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Par contre, on est tout chronométré. Hein. Je vais pas vous mentir, ça pue un peu la merde. Wouh! Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ok, nice. Comment j'y vais? I don't know. Dis-moi que c'est par là. Ok, nice. Ah, c'est trop stylé, je surkiffe ce jeu. Qui l'a? Non, je suis morte. Qui a ce jeu? Je veux savoir. Ok. Allez. Nice, Kiki, nice. Nice job. Là, par contre, je vois pas comment je peux faire. Je me dis pas qu'il va réussir. Oh, si. Ok, il a clairement réussi à s'accrocher à ça, le truc. Ok. C'est pas facile du tout. Ok, nice. On a fini? Je crois qu'on a fini. Ouais. On est en combien? Daily gift, ok. J'ai eu un truc. Mais non, Yex qui joue à ce jeu aussi. Putain, il était premier, mec. Il était premier. Wouah. Il a dû s'entraîner de ouf, le mec. Nyon. Bon, du coup, les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sur Hotlava, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Il me fait rager. Moi, si vous l'avez, on pourra carrément le faire en stream tous ensemble. Donc, en attendant, les copains, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.